bestia. Les bestiaux, c'est Jazzmas, la bestialité. J'espère que vous allez bien les gars. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que votre énergie... J'espère que votre force est réveillée. Les gars, j'espère que ça va. Après avoir fait le test physique de l'armée américaine, du FBI, de l'armée allemande. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour le test physique de l'armée japonaise. Le Japon! Franchement, le Japon, je sais que c'est en Asie. Ouais, mais c'est en Asie. Je vais pas dire de bêtises, le Japon, c'est en Asie. Donc les gars, le test physique de l'armée japonaise, il est composé de 3 exercices. On a des pompes, des abdos et une course. Bien évidemment, c'est chronométré, sinon... Ça serait trop facile. Pour valider cet exercice là les gars, je dois minimum faire 21 pompes. 3, 2, 1, go. Les 21 pompes, elles sont validées les gars. L'exercice numéro 2, ce sont les abdos. Pareil, j'ai une minute pour faire un maximum d'abdos. Pour valider cet exercice là les gars, je dois minimum faire 30 abdos. Bon les gars, c'est parti pour les exercices numéro 3. Alors, j'ai exactement 16 minutes 20 secondes pour faire 2,4 km. La piste, elle fait 250 mètres. Donc, il faut que je fasse 9 fois le tour. Un demi, un peu plus qu'un demi. En gros, ça fait 9,6 tours. Bon les gars, alors pour compléter donc les 9,6 tours, je vais commencer donc à l'autre bout de la piste, de l'autre côté là-bas. Comme ça, je pourrais terminer en fait les 2,4 km. En face de la caméra. Terminé. Bon les gars, le test physique de l'armée japonaise a été bestialisé. Franchement, les deux premiers exercices, je les ai validés. Le dernier exercice, j'avais pas de chrono. Du coup, je sais pas du tout combien de temps j'ai fait. Je vous mettrai le temps juste à côté. Mais je pense que je l'ai validé. Voilà. Franchement, pour être honnête, c'est pas le plus difficile des tests. Voilà. Le test du FBI, pour moi, ça reste pour l'instant. Non. Les tests des Spartanize et du FBI, pour moi, ça reste les plus difficiles. Mais celui-là, franchement, c'était pas le plus compliqué, c'était pas le plus difficile. Surtout que le fait d'avoir fait les précédents tests, ça m'a un petit peu aidé dans le cardio. Donc voilà. Dans cette vidéo, les gars, j'ai pas du tout cherché la performance. Hein. Je voulais juste valider le test parce que si on a un test qu'on n'a pas de score, voilà, ça sert pas à grand-chose de se tuer pour rien, quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du test. Est-ce que vous le trouvez difficile? Est-ce que vous le trouvez facile? Si jamais vous avez des suggestions les gars, si vous avez d'autres tests que vous aimeriez que je fasse, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Posez-moi toutes vos questions sur Instagram les gars. Venez, moi on discute tranquillement, pas de soucis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux défis et tout simplement pour la bestialisation. Passez une bonne journée, restez bestial. Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, restez positif, mais surtout restez bestial.